Alors, ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est pas si mal en fait. Là, je suis en avant du front. La mer commence légèrement à se calmer. Là, la houle commence à faiblir un petit peu en taille. Ça tape un tout petit peu moins. Il fait presque beau. Il fait 15 degrés dans le cockpit. Franchement, c'est plutôt une bonne journée aujourd'hui pour moi. Ah ouais, ça c'est sûr, ça va une balle. Je fais un peu la course avec le front là. Sauf que le front, lui, il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de manœuvrer. Voilà, il avance inexorablement. Et je fais le maximum pour le surfer le plus longtemps possible, quoi. Malheureusement, il y a une dépression secondaire qui va se former dessus, qui va nous causer quelques soucis dans 2 jours. Mais pour l'instant, c'est un front classique, voilà, qui permet de progresser à sa vive allure vers l'est. Ça m'a surtout impacté au moment des faits, hein. J'allais rencontrer la première tempête des mers du Sud de ma vie. J'étais en train de me poser des questions. Est-ce que c'est voilà, est-ce que je prenais la bonne trajectoire? Est-ce que c'est bien d'y aller? Et là, à ce moment-là, j'apprends que Kevin a coulé. Donc ouais, ça m'a un peu secoué. Donc oui, je pense que indirectement, voilà, ça a sûrement influencé sur ma naviguer, mais voilà, je pense que après, voilà, on n'a pas les mêmes bateaux, mais je pense que depuis j'ai voilà, je suis passé au-delà, on va dire, mais oui, je pense qu'à un moment des faits, ouais, ça a dû. Ça donne si brûlant. Question aujourd'hui, tu verras bien. Oui, c'est sûr que là, on a 2 jours où on peut tirer un peu sur les bateaux. C'est vrai que ça a été un peu frustrant jusqu'à présent. Là, tout le début du sud, comme disait tout à l'heure Paul, il parlait des mers croisées, voilà, quand on fait la ville. C'est vrai qu'on a vu comme ça, là, une partie d'Indiens. Voilà, là, aujourd'hui, voilà, la houle, j'avance encore dans le même sens que là. Elle est en train de s'atténuer au fur et à mesure, ça me permet de plus un petit peu plus haute en toute sécurité. Voilà, mais je me prépare à la tempête, hein, la prochaine tempête qui sera sûrement, enfin, j'espère que ce sera la plus grosse ou l'une des plus grosses qu'on va devoir monter sur ces mers du Sud.